Wesh le vlog, c'est Carotte, et des fois la vie c'est bizarre, et des fois c'est pas bizarre, mais là c'est vraiment bizarre, parce qu'en fait, tu vois, je travaille depuis ma salle de bain, à côté des toilettes finalement. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, tu vois, moi je vis dans un 10 mètres carrés, et du coup on se sent vite toujours au même endroit, tu vois, je mange sur mon bureau, je travaille sur mon bureau, et le lit c'est trop, tu vois, si je commence à aller sur mon lit, après je vais plus rien foutre, et c'est pas, voilà, c'est pas ça qu'on veut. Du coup j'ai décidé de changer un peu d'endroit de temps en temps, pour avoir l'impression d'avoir plusieurs endroits, tu vois. Ben là je suis sur un petit tabouret dans ma salle de bain, et ben je travaille quoi. Caro les bons tuyaux, si vous avez un petit appartement et vous voulez changer d'air, allez aux toilettes pour travailler. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Oh, je vais vous parler de ma passion du moment. Vous avez été pas mal à me demander sur Instagram si je pouvais faire un live Animal Crossing, donc le jeu Nintendo Switch dont tout le monde parle. Il se trouve que je ne peux pas streamer Animal Crossing car j'ai une Switch et un MacBook et pas du tout de carte d'acquisition. La bonne nouvelle, c'est qu'on a pu streamer du Animal Crossing avec Marie-Camille grâce à son setup de streamer que Dani Caligula lui a prêté. Donc il y a un replay de ce Twitch que tu peux retrouver dans la description de ce vlog. Mais j'ai quand même mis en place un petit setup extrêmement technique pour te filmer ma Switch pendant que je te présente Animal Crossing. J'espère que t'es prête. On est sur un setup de type fait à la maison. Voilà, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc là tu vois, j'ai mis un... de poser mon téléphone de cette façon comme ça, voilà, et de filmer ma Switch. Et voilà, on est dans Animal Crossing et ici c'est moi, le petit bonhomme. Attendez, je vais vous faire coucou. Coucou. Et on est devant ma maison, devant laquelle j'ai planté plein de fleurs. On va visiter ma maison. Tous ces vêtements que vous voyez là, je les ai récupérés ou fabriqués. J'ai fabriqué mon petit sac à dos en toile par exemple. Voilà, là on est dans ma maison, j'ai fabriqué tous ces meubles. Il y a des navets qui traînent. Momo, va-t'en. Il y a des navets qui traînent parce que dans Animal Crossing on peut acheter des navets et les revendre au prix fort. J'attends donc que le cours du navet soit plus élevé que maintenant. Donc le musée, le bureau des résidents sur la place principale, mon voisin Gabin. Ici c'est la maison de ma voisine Koala qui est un petit koala. Nous avons du littoral, un pont que j'ai construit moi-même. Ici c'est un camping où pour le moment il n'y a pas de résidents, mais quand il y en a on peut leur proposer d'emménager sur l'île. C'est comme ça que j'ai eu Emilien le pingouin. Un autre grand bout de littoral. Et puis ensuite bah, des espaces plutôt nature, hein, comme on a ici, où j'ai planté des arbres fruitiers. Il y a 5 variétés de fruits différents. Donc le but, c'est d'aller sur d'autres îles que la sienne pour en récupérer. Moi, j'ai commencé avec des oranges, mais j'ai des pommes, des poires, des cerises, des noix de coco et des pêches. Donc j'ai tout ce qu'il faut. Hop. Et ici, nous sommes chez mes voisins. Voilà, tout simplement, c'était le petit tour de mon île. Donc si tu te demandes pourquoi Animal Crossing est aussi addictif alors qu'on ne fait que chasser des papillons et pêcher des poissons, c'est parce que déjà, c'est très mignon, comme tu l'as vu, donc c'est hyper apaisant. Et parce que bah, comme il y a plein de poissons et plein d'insectes différents, on a vraiment toujours le côté, allez, encore 5 minutes, je pêche encore un poisson, peut-être que celui-là il va être rare, je vais faire encore un tour sur mon île, peut-être que je vais trouver un insecte que j'ai pas encore. Et le fait que bah, le jeu évolue au fil des heures, donc la nuit t'as pas les mêmes choses, parfois il pleut, t'as pas les mêmes choses non plus. C'est quelque part entre les Sims et Stardew Valley, c'est très très addictif et c'est un gros kiff. Donc si jamais tu as une Switch, je ne peux que te conseiller d'investir dans Animal Crossing. Si jamais tu n'as pas de Switch, je ne peux que te conseiller d'investir dans la Switch, car c'est trop bien la Switch. Voilà. Pour finir ce vlog, un caméo de mon chat. Maman ! C'était mon favori du confinement, Animal Crossing. Coucou le vlog, je te parlais la semaine dernière de mon objectif spécial confinement, d'apprendre à danser comme les meufs des clips. Ne t'inquiète pas, je suis toujours dans le même objectif, mais j'avoue que j'ai pas envoyé de vidéo à Mathéo parce que je me suis retrouvée une autre passion. Ça faisait un petit moment que je l'avais laissé tomber, et là je m'y suis remise, et je t'avoue que je ne pense plus qu'à ça. Donc j'ai un peu mis la danse entre parenthèses. Il s'agit du dessin. Voilà, j'ai ressorti ma palette de crayons qui est juste là. Donc voilà le petit dessin que j'ai commencé hier. Mais voilà, et du coup, je pense que ce sera ça mon favori de la semaine. Voilà, je suis très contente. Je vous montrerai peut-être la progression de mon dessin en live. Bon là, je l'ai quand même pas mal avancé. Il me reste juste les cheveux, je déteste faire les cheveux. Coucou le vlog, je viens te montrer mon avancée en guitare. Comme tu as pu voir peut-être il y a 2 semaines, pendant le confinement, j'ai décidé de me mettre à la guitare. Je sais pas pourquoi, une mouche m'a piqué, et puis voilà, boum. Du coup, je suis les cours de ce cher Andy Guitar sur YouTube, qui a un truc pour les tout débutants. Ça commence à prendre forme, donc je voulais te montrer mon avancée. Thank you.
prendre une des prises où je la fais bien et te montrer que ouais, je gère trop. Mais j'ai décidé d'être transparente et de te montrer là tout de suite maintenant. Alors qu'il y a 5 minutes, je la faisais mieux. Et peut-être il y a 5 minutes, je la ferais mieux. Ah, attends, j'ai un autre instrument de musique historique dans ma chambre. Il s'agit de ma maracas de maternelle. Est-ce que je me lance dans un truc de jouer deux instruments en même temps? Si je coince la maracas dans ma manche, ou alors si je la mets dans ma bouche et que je la secoue. Non. J'ai abort la mission maracas guitare, parce que clairement, à part peut-être en jouer avec le pied. Les ravages du confinement sur l'être humain. Bon, je viens d'avoir une idée. Est-ce que, par exemple, si je vous demande d'écrire une phrase en commentaire, ce que vous voulez, moi je les prends toutes, par ordre chronologique, comme ça j'ai pas à réfléchir, je les mets bout à bout, et avec mes peu de compétences musicales, j'essaye de faire une musique. Est-ce que ce serait drôle? Peut-être, hein. Est-ce que ça m'occuperait? Salut. Toi aussi, des fois, tu trouves que c'est difficile de se motiver tout seul? Moi, je t'avoue qu'avec ce confinement, je galère un peu, surtout cette semaine. Et du coup, j'ai décidé de me mettre des petites carottes comme ça sur le chemin pour avancer, en me faisant, alors pas littéralement des carottes, parce que j'aime pas ça, mais des bons plats pendant la semaine. En temps normal, j'aime bien me faire à manger, mais ces temps-ci, j'étais un peu dans une phase de flemme. Et c'est une belle journée, car ce midi, j'ai fait des sushis. Ils sont beaux, hein? C'est pas vrai, ils sont pas très beaux, mais franchement, ils vont être trop bons. Oui, il y a plus de thon que de riz, oui, et alors? Oui, depuis ce midi, j'ai changé de tête parce qu'entre temps, on a fait un TikTok. Ce soir, c'est patate douce farcie à la feta et j'ai mis la patate douce dans de l'alu pour la mettre au four pendant normalement 50 minutes à 180 degrés et je l'ai oublié pendant 45 minutes en plus. Ça sent bizarre dans ma cuisine et j'ai pas fait la vaisselle. Allez, on y va. Normalement, faut mettre de l'ail, mais j'ai oublié d'en acheter. Ça sent le caramel. Oh, c'est beau. Donc tu prends ta patate et tu creuses à peu près les deux tiers de la chair. Le pire bruit. Ça va faire trop de feta. If you're intrigued in the subreddit bro. Oui, ça fait beaucoup, mais j'aime beaucoup le persil. Et voilà, quand c'est rempli, tu mets de l'huile et ça passe au four. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé combien de chansons différentes on pouvait avoir en tête en faisant la vaisselle? Monde roulant qui va, qui vient, d'où elle en pleine, qui promenant sans souci fidèle, l'instinct, tout est pour ce matin. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait la vaisselle. Ouais. Franchement. BG ou pas? Hello le vlog, comment ça va aujourd'hui? Je suis ravie parce qu'on est le 1er avril, qui est une de mes journées préférées. J'aime beaucoup faire des pranks. Pas tout le temps réussi, mais en tout cas j'aime beaucoup moi. À pranker ici, j'ai du coup ma maman, ma grand-mère, mon chat, mon chien. Le chat, le chien, c'est assez limité. Ma mère, je pense qu'elle se fera pas trop avoir. Donc je pense que ma meilleure cible, c'est ma grand-mère, comme toujours. Donc j'espère qu'on va pouvoir faire des choses sympas. Déjà, ce qui est sûr, c'est qu'on va commencer par faire au moins un poisson d'avril. C'est quand même la tradition. Hop. Alors voilà, ça c'est fait. Hop. Oui, t'es pas content. Ça te va bien par contre, hein? Du coup, je vais faire un prank téléphonique à ma grand-mère, je pense. Et je vais lui faire croire qu'elle a une livraison, genre de 50 kilos de savon ou un truc comme ça qui arrive, mais qui a un problème avec la livraison et qui me faut son rib. Oui, bonjour, ici Fragonard, les parfumeurs. Je viens vous voir par rapport à votre commande du mois dernier. Alors malheureusement, on a quelques problèmes de stock, donc on ne pourra pas tout livrer tout de suite. Donc je voulais passer en revue votre commande. Du coup, pour les, vous avez fait une grosse commande en savon, et avec la situation actuelle, j'avoue qu'on a un peu des problèmes de stock. Donc sur les 200 pains de savonnette, on pourra en livrer que 100 ce mois-ci. Pardon ? J'ai pas commandé 200 savonnettes, cette histoire. Alors, je vais bien Eliane Baptiste. C'est une blague, c'est pas possible. Hein, Cassandre? Ça y est.
Bon, bah, évite de faire des trucs comme ça. Mais sinon, tu vas te recevoir le téléphone à travers la figure. Hein. Super. Bon, bah, j'annule ta commande. Bah, elle m'a raccroché. J'étais convaincante un peu. J'ai quand même raccroché au nez. Hein. Oui. 200 savonnettes, hein, faut pas pousser. Est-ce que tu veux dire coucou au vlog de Mademoiselle? Ouais, t'as du pot, hein, parce que c'est toi, hein. Mais recommence pas, hein, tu vas voir. T'as intérêt à calter, hein. À quoi? Calter. Ça veut dire quoi? Pour cette dernière recette, j'ai préparé un truc entre midi et deux parce que bah j'avais encore une patate. Là c'est une recette qui cuit pendant longtemps et vu que ma spécialité c'est d'oublier des trucs sur le feu, c'est bien, c'est une bonne chose. Et l'idée c'est que si tu la prépares, en fait tu la prépares vite, tu la fous dans un coin, tu laisses cuire, t'oublies et après c'est bon et c'est prêt et c'est fait une soupe. C'est une recette de lentilles mais c'est pas vraiment un dalle, je sais pas trop ce que c'est. Même s'il y a du curry dedans, genre je sais pas trop d'où ça vient. Du coup c'est oignon ail, moi j'ai toujours pas d'ail donc j'ai mis du gingembre. Là si t'es carnivore tu peux rajouter une saucisse coupée en morceaux. Tu rajoutes des patates, des carottes, du concentré de tomates, un bouillon, du curry et plein d'eau avec tes lentilles. Et tu laisses cuire pendant genre au moins une heure et demie, ce qui m'arrange beaucoup. Car hier j'ai vraiment oublié ma patate douce pendant 2 heures au four. Voilà, c'était tout pour mes recettes de la semaine. C'était des recettes un peu simples, hein. On n'est pas là pour se prendre trop la tête, mais ça fait toujours du bien je pense d'avoir des idées, en tout cas pour moi j'adore ça. En tout cas tout filmé ça m'a bien donné envie de juste faire des pâtes. Ce week-end je vais faire des pâtes. Je reviens vers toi cher vlog, je te parlais l'autre jour de mon dessin, et bien sache qu'il est fini et que j'en suis hyper contente, enfin j'en étais hyper contente, jusqu'à ce que cette petite connasse décide de le déchirer. Elle fait de ouf la meuf, en vrai là ça va, j'accepte qu'elle se remette à côté de moi, mais j'ai été tellement vénère, j'en étais contente de ce dessin. Et cette garce elle s'est mis dessus et en voulant la bouger, et ben elle a mis ses griffes et elle a déchiré. Une partie de mon taf consiste à regarder les vidéos de Mathéo, vérifier s'il n'y a pas des petits pets de montage, des trucs comme ça, donner mon avis, des retours, des feedbacks, tout ça. Aujourd'hui, il a fait une chanson. Mais c'est incroyable. Toujours la nuit, le calme du silence s'écrit, abasourdi. Quelle beauté la nature, quelle bonté dans ma tasse. La grandeur de ses plans rend la nature mieux qu'une fougasse. L'eau dans la rivière fait traverser le bateau. Enfin ça dépend, faudrait pas que ce soit un gros paquebot. La terre dans la forêt sert de maison aux vers de terre. En même temps c'est normal, c'est marqué dans leur nom. Ah bon ?